Bonjour tout le monde, c'est Eddy. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte d'une démo d'un jeu. Nous sommes sur Wii Harvest Shadow. Et, écoutez, je suis assez intrigué par le jeu. Donc, on va faire une découverte ensemble. Et voir s'il vaut le coup. Mais en tout cas, voilà. Petite simulation de ferme. Petite survie. Petit peu peur. Those eyes, that demonic face in the rearview mirror, that's when it all started. It was the morning after everything went down. I didn't have anyone anymore. I got into my mom's old truck to drive back to New York like I always do. But something happened that I can't explain. I saw my exit, turned on the blinker, and drove right past it. It sounds crazy, but I physically could not turn the wheel. So I drove for 4 hours straight. I was in a rush to nowhere. So I drove, empty-headed and exhausted. That's when I saw it. It felt like the only right thing to happen to me in years. All I wanted was to walk down that path, lock the gate, and leave everyone behind. It would cost me everything I had, but I needed solitude. So I bought the farm. I did lock the gate, and I did throw away the key as hard as I could. I started laughing out of sheer joy. When was the last time that I laughed? I couldn't believe I was actually doing it. I was finally ready to forget it all and be forgotten. Ok, ça commence bien. Ça commence très bien. J'adore la mise en scène, j'adore la... comment on est jeté dedans. Tu me promets, Garrett. Dans notre backyard garden, quand tu étais petit. It's probably not what you expected, but I'm going to keep that promise, Mom. Parfait. Ok. Jour 1. Le vagabond invisible. Il y a plusieurs chapitres. Right, c'est pas une démo. Tu vas sortir de la maison. Hold your applause, everyone. But where did I put that to-do list? If I can find it in all this garbage. Alors désolé si vous voyez rien, mais je pense que c'est le jeu qui est comme ça. L'essentiel est vrai, mais les attaches toujours nous évaluent ces outils. Il doit en avoir dans la maison. Et je peux acheter davantage dans le catalogue de vente par correspondance. Ok, ça c'est bon à savoir. Allez vous coucher à l'heure, c'est beau, mais dans la chair de poule, déposez les objets dans la caravane pour les vendre. Les objets dans la caravane, par exemple, les troncs d'arbres valent quelques centimes, mais les tomates et les œufs de poule ont beaucoup plus de valeur. Mon but ultime devrait être d'acheter le fusil, mais je vais d'abord travailler sur la liste d'usage, ok. Voilà à quoi se résume le reste de ma vie, celle pour toujours. Hein. Hop. Oh, et. J'espère qu'on va pas être dans un jeu d'horreur là, les gars. Ouvrir des trucs, nothing but the clothes on my back. Il y a d'autres que des fringues que j'ai sur le dos, c'est. Okay. Well, TV would have been nice with a whole being alone. I need to find my to-do list first. Mais elle était pas là, ta liste. La liste de tâches à effectuer joue un rôle fondamental. Appuyez sur Tab pour voir les tâches et il n'y a aucune limite de temps. Alors ne vous précipitez pas, vous devez accomplir les tâches annotées d'un astérix pour progresser dans l'histoire. Ok. Ramassez les déchets dans la chambre et jetez-les dans le monde.
cleaning your room and scratching it off your to-do list. Comment je fais pour récupérer les déchets? Ah, il fait jour. Porter. D'accord. Oh bah y'en a. Est-ce qu'on va retaper toute la ferme pour qu'elle soit jolie et à notre goût? This is heavier than it looks. Alors faut qu'on trouve la caravane là-bas. Le catalogue. Man, it's pretty here. Not a soul for miles. I should have done this. La danse, je peux mettre. Okay, that wasn't bad. Maybe I can get these tomatoes. 20 centimes. And then I'll be done. Allons arroser les tomates. Oula, j'ai une dose d'énergie, alors on va profiter de cette beauté de ce. Oh! C'est quoi ce mirador là-bas? Ah, c'est un truc de garde de chasse, je crois. Petit carbo là, ok. Où sont mes plantes de tomates? Where are my tomatoes plants? Là. Ok. Il faut que je trouve une arrow. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est la boutique. Il faut que j'achète un arrosoir. Ok. Arroser 6 plantes de tomates. Ok. Je pense pas qu'on ait de l'eau. Ah, si. Alors, les plantes de tomates. Toujours arroser au pied du plant de tomate en évitant de mettre des gouttes sur les feuilles pour éviter qu'ils attrapent des maladies. It wasn't a lot, but it was something. I better get to bed. Bon, on va aller au lit. One day down, eternity to go. Je vais. Ou alors on peut. Bonjour, y'a quelqu'un? Ça doit être le vent. Quoi? J'essaie de me rassurer. Bon, arrêtez, n'importe quoi. J'arrive pas à les prendre, les déchets. Looks like it's missing some pages. Maintenant, maintenez Q pour ouvrir l'arcade. Il faudra d'abord vous rendre dans les tours de guet pour qu'elles soient utiles. Si vous trouvez tous les objets disponibles en un endroit, un symbole de confirmation paraît sur l'animal. Et tu es la carte, ok. Bah, il fait encore jour. On va aller à la tour de guet là-bas. On peut sauter ou pas? Ok. Est-ce que je peux utiliser ça ou pas? Hot damn. This doesn't even look that old. I can totally fix this up with the right parts. Alors j'aimerais bien aller à la tour de guet là-bas. Est-ce qu'on a une heure quelque part ou pas? Non, on n'a pas d'heure. Et je crois que je suis bloqué, je crois que je vais pas aller à la tour de guet. Faut que je prenne un autre passage peut-être. Page suivante. Ah ouais, ma tour de. Voilà, je suis là. Et moi j'aimerais bien y aller là-bas. Mais j'ai l'impression que je peux pas sortir. Alors peut-être qu'on aura un. Comment ça s'appelle? Qu'on pourra utiliser le quota la prochaine fois et puis y aller. Là, on va suivre le tuto. La tour, elle est juste là en plus. Et je peux vraiment pas sortir. Non. Bon, bah, on va aller se coucher. Hein, si c'est ce qu'ils veulent.
Ça, je peux pas ramasser. Dormons. Jour numéro 2. Sauvegarde en cours. C'est quoi cette lumière? C'est quoi ce... Attends, mais c'est pas un jeu d'horreur que j'ai demandé. J'ai peur. J'ai peur. J'ai oublié comment on allumait la lumière. Voilà. T'es qui toi? On va aller voir. Ah bah oui. What is that? C'est quoi? Claire? Whoa! You remind me of someone, girl. Ok. Hey, you gonna keep up or what? I'm sorry, I just can't get over this view. I can't believe you've never crossed the bridge before. Yeah, but why leave downtown anyway? To come see me, obviously. Of course. Good point. Probably the best point. Whoa! Is that a deer? How did she even get here? Hold on, give us some space. We've got to help it. Oh! Pas dire comme ça, toi. Est-ce que j'ai bien choisi un jeu de simulation? En train de me poser des questions là. Like I think about you. Do you ever wonder where I am? Des tomates. It doesn't matter. Get back to work, Gary. That's all you're good for. Oh, elles sont bien faites, les tomates. Achète le livre de construction. Je les mets où, les tomates? Je peux les mettre au frigo ou pas? Enfin, non, faut pas les mettre au frigo, mais... Je vais les mettre dans la cuisine. Pour l'instant, je sais pas trop où les mettre. J'ai une cuisine? Oui, j'ai une cuisine. Pas sur la table, tiens, ça ira très bien. Alors. Maison. Non. Waouh, il y a plein de choses à acheter. Alors, tu me demandes d'acheter quoi? Achète le livre de construction. Construire un poulailler. Livre de construction. Graines de tomates. Livre de 5 dollars. Ah, je dois vendre les tomates, c'est ça? On va aller vendre les tomates. Moi, je peux y vendre un peu les déchets. Non, je vis dans ma crasse. Très bien, vivons dans notre crasse. Très bien, très bien, très bien. Oh! C'est quoi ça? Des pierres? Ah, pourquoi j'ai des pierres? Et pourquoi il y a une hache? Now this should come in handy. Alors, livre de construction acheté. Ok, you got this. Just follow the instructions, bro. Appuyez sur B pour ouvrir là.
Et je dois construire un poulailler, mais... Ah, ok. Ok, ta poule. Construis un poulailler. Alors, bétail, poulailler. Ah, je dois encore payer 5 dollars. C'est une blague. Ah, oh, c'est que j'en ai fait. Ah, attends, tu veux que je fasse la clôture? 1 dollar à la clôture. Excusez-moi, un petit souci. Que je fais quoi? Je construis vraiment un poulailler? Attends, mais... Pétail. Tes vrais obus de poulailler en plein air. Structure. Poulailler, 10 dollars. 10 dollars. D'accord, ça veut dire que... Alors, attends, est-ce que j'ai arrosé aujourd'hui? Tu veux pas que j'arrose pour avoir des tomates demain? Où c'est qu'il y a de l'eau? Est-ce que je peux prendre de l'eau dans la cuisine? Ok, ça a marché, nickel ça. Ensuite, toc toc toc, on va arroser le reste. Je pense que le bois est là. Qu'est-ce que ça là-bas? Ensuite, est-ce que je peux le recouper ou pas? Ah, mais je suis fort! Ouais, je suis fort moitié. Oula! J'aurais peut-être dû couper les... comment ça s'appelle? Les arbres plus proches. Hop là. On va aller se coucher, hein, il fait nuit. Bah oui, mais... Je veux quand même me coucher. Je peux pas me coucher si ma liste n'est pas terminée. Mais c'est nul. Ok. On est mal barré. On est très mal barré. Je peux récupérer ça pour... Non. Ah, ok, je peux dormir maintenant. C'est quoi ce qui est en haut là? Non, 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 non. C'est un truc d'horreur, c'est pas possible. Non, c'est pas un jeu de ferme. C'est pas un jeu de ferme, c'est un truc d'horreur. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, j'ai pas envie de regarder là. J'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça. Ah, je suis pas courageux, moi. Je vous l'ai déjà dit, hein. Oh mon dieu. Ah ouais, mais non. Ah,
J'ai peur. J'ai peur. Je l'avais pas. J'ai entendu un bruit bizarre à côté, j'ai un peu saut. J'aime pas beaucoup trop ça. J'ai 10$ tout pile, oh la vache. Alors, on va construire un petit poulailler. Plus 10$, ok. Je crois qu'on est bon là. T'as comment ça marche là? J'ai vu ouvrir. Ah. Du coup, est-ce que je dois faire un petit grillage pour le bétail? Un truc simple. Attends, je l'ai mis là. Ouais, bah. Ça veut pas. Ça ne veut pas. Ok, bon. Bah, du coup, je crois que j'ai que 10 centimes maintenant. Ok. On va du coup porter le truc. À mon avis, je vais devoir acheter des poules après. Mais c'est pour faire un jeu d'horreur, je suis pas très content, moi. Enfin, je vais pas demander à souffrir, moi, ok? On va arroser les tomates, autrement on n'en aura pas demain. Ok. Et punaise, j'aimerais vraiment y aller là. Mais je vois pas de sortie. On va allonger parce qu'à mon avis, il y a des. Oh, il y a des pierres de partout. Ça se vend les pierres? Je sais pas. À mon avis, il y a des objets qu'on devrait récupérer. Qui sont peut-être importants. Mais non, il y a pas moyen. Ah ouais, non, bah non, j'ai jeté la clé. Alors il faut que je trouve un moyen de sortir de l'eau. Mais comment? Bonne question. En plus je crois qu'en sautant, en fait il y a une sorte de mur invisible derrière. Attendez, je crois qu'il y a...
Là, c'est un peu plus haut. Et si je saute de biais... Ouais, il y a un mur invisible, je crois. Ou alors, mon personnage ne peut pas sauter à fond. Ok. Ok. C'est quoi, ça? Pourquoi j'ai des piquets rouges partout? Rentrons. Bon. Est-ce que je peux enlever les arbres morts là? Non. Si ça tombe sur ma maison, ça va faire quelque chose d'après vous. On va voir ça. Ah voilà, c'est comme ça qu'on a de l'argent facilement. Bah. Ok. Je pense que c'est des troncs qui ont été... qui sont tombés là-dessus et qui ont bondi. Et ils sont pas là en fait. On a 360. Une poule c'est 5$ je crois. Voilà. Ouais, ça doit être ça. Bon, demain matin, ils y seront plus. Et je vais pas vous mentir, j'ai très peur là. J'ai très très peur. J'ai très très peur de voir. Non. Non, je regarderai pas derrière moi. Non, je regarderai pas derrière moi. Non. Ça y était, ça, avant? Ça y était pas, avant? Écoutez, j'ai vu le monde de Narnia, et franchement, si j'y vais dans ce monde-là, ça risque de mal se passer. Parce que je voudrais être avec Aslan tout le temps. Quoi? I guess I'll take a quick look outside. Non, t'es vraiment pas obligé de jeter un œil dehors. Hein. Ah mais frère, je te jure, c'est pas la peine. Hein. C'est vraiment pas la peine. C'est quoi ça là? Non, j'ai peur. Pourquoi moi? Allez. Non. Je suis désolé, mais c'est un jeu d'horreur, c'est pas possible. Non. J'entends rien, je regarde pas. Je suis aveugle. Voilà, il y a rien. Mon jardin est tout beau. Il y a mon poulailler qui est là, c'est magnifique. Voilà, il y a une tour de guet là-bas. Quelle idée que j'ai de vivre ici. Je n'entends pas les bruits qui sont derrière moi. J'ai très peur de me retourner. C'est quoi ce bruit? Je sais pas c'est quoi ce bruit. Et tu veux pas savoir. Je te jure, c'est vraiment un truc que tu veux pas savoir. C'est dans la vie, faut... J'ai des tomates. Dans la vie, faut pas être trop curieux, ça sert à rien. C'est des fois, faut faire sa vie tranquillement, laisser les esprits de leur côté, faire leur vie de mort et ne pas se préoccuper de ce qui se passe partout, quoi. C'est déjà difficile de s'occuper de soi-même. Alors. Alors si en plus tu dois faire attention... J'ai peur. Je parle beaucoup parce que j'ai le temps. Bonjour le corbeau. Enfin bonsoir.
Y a rien. Ah, c'est toi ? C'est toi qui me fais peur ? Ça doit être lui. Bah, je vais pas chercher un loup maintenant quand même. Non, non, vous avez vu derrière. Vous l'avez vu derrière. Il est passé à côté du tronc. Il est derrière moi. Il est passé à côté du tronc. Oui, ressaisis-toi, Garrett. Les nuits de ces blizzards peuvent vous détruire. Passer la nuit en forêt peut s'avérer extrêmement dangereux. Vous pouvez éviter la nuit en finissant votre liste de tâches et en vous couchant tôt. Vous pouvez également nettoyer votre maison, cultiver votre ferme. Plus votre ferme s'agrandit, plus vous serez protégé contre les hantises dangereuses. Non, sans déconner. C'est quoi ce jeu qui décide de mélanger horreur et simulation de ferme? Depuis un gamin, mon pauvre Garrett, il n'y a plus personne. Voir ce qui se passe. Non, je suis une mauviette. J'assume ma mauviétitude. C'est quoi ce mauvais coup de tableau? J'assume ma mauviétitude. Je ne fermerai pas la porte derrière moi. Ça veut dire que je vais devoir regarder derrière moi. Je ne vais pas regarder derrière moi. On n'ouvre pas le placard. On n'ouvre rien. On n'ouvre rien. On dort. Quoi? La télé, elle marche. Attends, quoi? Dodo, 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 dodo. Non, je vais dormir. Oh mon dieu. Allez, non mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Je ne peux pas. Ah mais je suis une vraie mauviette. Hein. Ah mais je l'assume totalement. Je suis une mauviette. Je me sens plus aussi seul qu'avant. Bah, si on fait moite-moite dans le loyer, qui est gratuit, y a pas de souci. Ok. Acheter une hache de meilleure qualité, explorer la grange. Ok. Mais nous, on va s'arrêter là. D'une, parce que j'ai très peur. Je fais une flippette, j'aime pas du tout ça. Et de deux, parce que ça fait quand même une demi-heure. Franchement, le jeu, il me tente de continuer, mais je veux pas, j'ai trop peur, désolé. C'est waouh, je m'attendais trop pas à ça. Après, c'est agréable, enfin, c'est une surprise agréable. Mais ok. Bref. On se laisse là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, soutenez-moi par pitié, j'ai eu trop peur, abonnez-vous si mon contenu vous plaît, et puis nous on se retrouve très bientôt, ciao ciao.